Venez, je vais vous mener à la voûte des lumières. Les autres nous attendent déjà. Ok, on va suivre. Par contre, on va prendre le. Ouais, c'est le problème, c'est qu'à l'Exodar, je peux pas voler. Je peux pas voler ici. Mais déjà, lors de mon exploration, c'était le cas. La Légion ne s'attendra pas à une attaque de cette ampleur. Argus est notre foyer ancestral. Nous ne laisserons pas la Légion le souiller une minute de plus. J'ai l'impression que j'ai pris le... Cher Draenei, champion d'Azeroth, le moment est venu d'envahir Argus. Allons sauver notre monde et éradiquer la Légion Ardente une fois pour toutes. Donc non, on est toujours dans le scénario de Légion, là. Parce que ça part de l'Argus, hein. On n'est pas sur Battle for Azeroth, là, encore. Et que la lumière guide vos pas. Bah écoutez, on... ensemble. Oui, encore une Lydiane. Non, on est toujours dans le... On est toujours en Légion, hein. C'est sur une monture, ouais. Depuis l'atterrissage forcé qui nous a amenés sur ce monde il y a tant d'années, l'Exodar est endommagé. Tout notre temps libre... Toutes nos ressources ont été consacrées à la création d'un nouveau vaisseau, l'instrument de notre vengeance. La voie est libre. Venez, enfants d'Argus, alliés, champions, le Vindicar nous attend. D'accord. Donc ok. Donc je pensais que le vaisseau dans lequel on était au départ c'était l'Argus. En fait pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Là on est à l'Argus. Ok. Ah oh, c'est cool. Ah ça me fait ça me fait du bien d'être là. L'Argus. Attendent notre arrivée. Ce n'est qu'en nous unissant que nous vaincrons. Alors, j'avais... La lumière nous mènera à eux. Romule, commencez les derniers préparatifs et veillez à ce que personne ne manque. Le moment est venu. J'avais jamais vu ce scénar, hein. Oui, prophète. Tout de suite. Et donc ils ont créé l'Argus au-dessus de l'Exedar, et donc l'Argus part pour les îles brisées en fait. D'accord. Vous rallierez-vous à notre cause? Faites-moi savoir quand nous serons prêts à partir. Right now. Nous devons nous unir contre la Légion. Ouh, cinématique. Les troupes sont au complet et ont pris place à bord. Le Vindicar sera prêt à partir sous peu. Une fois arrivé sur Argus, nous rallierons l'armée de la lumière et l'invasion pourra commencer. Thank you.
a-t-il seulement conscience de ce que vous attendez de lui? Et les autres? Nous suivons la voie de la lumière. Où qu'elle nous mène. Votre foi a toujours été votre plus grande faiblesse. Quand vos plus proches alliés ont succombé aux ténèbres, vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Quand la Légion a envahi votre monde et a servi votre peuple, vous l'avez laissé faire. Vous vous êtes contenté d'observer, persuadé de suivre la voie de la lumière. En vérité, vous avez trahi les vôtres. Vous avez leur sang sur les mains. Jamais vous ne comprendrez ce à quoi j'ai consenti pour sauver les miens. La lumière vous aveugle, prophète. Il est temps de trouver votre propre voie. Prophète, nous sommes prêts. Allons-y. Armée de la lumière. Le Xenedar. Ce n'est pas normal. Ces lâches sortent enfin de leur trou. Abattez-les! S'apprête à tirer de nouveau. Que devons-nous faire, prophète? Nous allons la combattre. La dernière bataille pour Argus ne fait que commencer. Vous voyez pourquoi je kiffe Illidan ou pas? Bon. Voilà. Ah putain, cette cinématique, qu'est-ce qu'elle était badass! Elle était remplie de testostérone, vache! Ah, ça fait plaisir! Cœur de la lumière, ok. Leur prochain tir nous décimera, à moins que nous frappions les premiers. Nous devons détruire l'arme tant qu'elle recharge. Romule, déployez un fortin en bas. Tous ceux qui fortin déployé, prophète. Romule, envoyez notre avant-garde s'établir en première ligne. Activation de la matrice de transport. Nous rejoindrons le champ de bataille ensemble quand vous aurez terminé vos préparatifs. Quand vous voulez. À vos marques. Ben. Ah d'accord. Avec vous. Envoyez-moi la surface. Le Vindicar est à votre disposition. D'accord. Ça a juste bugué. Venez parler avec moi. Ok, ça a juste bugué. Ok, et ben nous voici à la surface.
De la planète, d'une des planètes qui a été détruite par la Légion. Mais je sais plus, l'Argus, c'est le nom du vaisseau ou c'est... Non, alors, ça doit être le nom du vaisseau, mais ça doit être aussi le nom... Ouais, voilà, c'est le nom aussi de la... C'est le nom aussi du vaisseau, hein. Ça doit être ça, j'ai du mal à comprendre. Bon, c'est parti. Je ne peux pas voler ici. Ok, on est peut-être en instance. Tenez votre position. Nous devons protéger le Vindicar au péril de nos vies. Non, donc c'est ça, le Vindicar, c'est le nom du vaisseau. C'est pas l'Argus, je pensais que c'était le nom du vaisseau, mais non, c'est le nom de la planète où on est. Trois dévastateurs de la Légion. Ok. Wow. Ils sont badass les boucliers là. J'ai du soutien ou... Ouais, j'ai du soutien visiblement. J'ai du soutien. Avoir du soutien. Ouais, 137 000. Est-ce que si... Ouais, cherchez pas, on s'est submergé. On s'est submergé, à mon avis. Je vais juste battre ce boss-là pour libérer mon marcheur de la prise avec lui. Mais à mon avis, on va plutôt se concentrer sur l'objectif. Ok, puis il y a lui évidemment qu'elle focus sur moi aussi, enfin qui... Quoi qu'on est pas loin de pouvoir compter sur le soutien. Non, ça arrive par le portail. Ça arrive par le portail, c'est même pas la peine. Je peux pas le fermer ce portail? Non. Cher en plus. Bon.
Ouais, c'est assez brutal ici, hein. Les mobs ont beaucoup de vie. C'est surtout une question de durée de combat, quoi. C'est vraiment long de les battre, quoi. En même temps, là, on est vraiment dans le camp ennemi, hein. La voie est libre. Feu ! Ok, j'en ai détruit un. Ok, ça tire. Je suis mort. Je suis tellement mort. Non, c'est bon. Non, putain. Là, je suis mort. J'ai aggro le mauvais. Quand j'appuie sur tabulation, j'ai aggro le mauvais mob. Je suis mort. Alors, c'est le moment de vérité. Non, donc on n'est pas en instance. On n'est pas en instance, sinon j'aurais ressuscité immédiatement. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que résultat, ben, si jamais je quitte le jeu, ben, je reprends là où j'en suis. Sinon, mais par contre, je résume pas instantanément quand je meurs. Comment ça se fait qu'il avait déjà un... Par la lumière, soyez purifiés. Ok. Et le dernier, il est là-bas. Ok. Bien gardé. Il a l'air vraiment bien gardé par contre. D'accord, ok.
Mais c'est pas vrai! C'est un combat sans fin. Non mais allez-y hein, faites-vous plaisir. Allez, hop. Quitte à crever, autant crever le plus proche possible de l'objectif. Voilà. C'est pas facile, hein. Honnêtement, tout seul, ça me paraît chaud. Hein. De côté que là, contrairement à... au donjon qu'on a fait avant, j'ai aucune assistance. Pourquoi le jeu a planté ? Bon. Bah écoutez, on va partir d'un principe simple. Si je crève, tant pis. J'ai détruit un des cristaux. J'ai essayé d'utiliser mon sort de fear et de pour détruire les cristaux. C'est bon. Allez, bah à la limite, je peux mourir. Sauf si j'arrive à le... Oh putain! Alors là, je m'éloigne pour ressusciter tranquillement. Bon, c'est technique un peu à la con, hein, mais technique quand même. Ouh. Alors moi je veux bien mais... Et donc ? Ok, alors je sais pas pourquoi... Ok, alors ça c'est cool, j'aurais dû prendre cette quête là avant. Le corps de ces démons déborde d'énergie gangrénée. La Légion n'a pas chômé ici, dans sa croisade. Les guerriers qu'on repart d'abord, voyeurs, combattants et rénards, ne les sous-estimez pas. Ah.
Il a bougé? D'accord, il a bougé. J'ai une autre quête là-bas. Aidez-moi. Argus est à nous pour toujours. Vous avez toute ma gratitude. J'aspire à ce que nos chemins se croisent à nouveau. Bon. Ok, apparemment, j'ai des mecs à soigner. Ceux qui désobéissent sont envoyés dans la forêt. On ne les revoit jamais. Ceux qui désobéissent sont envoyés dans la forêt. On ne les revoit jamais. Non, non, non. C'est juste celui-là. Y arriver. C'est là que je veux. Allez, c'est bon. Mon archer va réussir à s'en servir. À se débarrasser. Je me focus sur lui. Ceux qui désobéissent sont envoyés dans la forêt. Oui, on sait, ouais. On ne les revoit jamais. La lumière a déserté cet endroit. On n'y trouve que la mort. Est-ce qu'on peut libérer sans aggro l'autre ? Nos armes alimentent leur magie. Même la mort n'apporte aucune délivrance. Ils ne nous trouveront pas tous. Pas si nous restons dans les ombres. J'ai un bonus, je sais pas ce que c'est. Ponction. Je peux healer plus, je peux pomper plus de vie. Eh ben pompe. Pompe Shadok. Aucune délivrance. Allez, il en
reste. Peut-être réussir à libérer sans. Non. Ceux qui désirent sont envoyés dans la forêt. On ne les revoit jamais. Ben voilà. La Légion ne reculera devant rien pour détruire notre monde. Ah, on choisit notre récompense. Ouh. Alors. Relique de sang ou relique de l'ombre? Peu importe, hein, je vais prendre relique de sang. Mais j'aurais su, voilà, j'aurais gardé la. J'aurais gardé mon arme prodigieuse sur moi. Ceux qui errent ne sont pas perdus. Nous devons nous unir contre la Légion. Ok. Ah, il reste une quête à Illidan. Détruisez l'arme de siège. La Légion, c'est un infâme machine tant que nous le pouvons encore. Aucun garde si près de leur arme. Oh. Quelque chose ne va pas. Ouais. Ce n'est pas une simple arme de siège. Oh oh. Ok. Oh, ça va. Bon, c'est juste un... c'est juste parce qu'il est élite, mais en soi, il est pas... Attention. Je peux... Détourner son attention, Illidan. Nous ne sommes pas arrivés si loin pour échouer maintenant. Je vais faire bien plus que ça. Oh oui, vas-y, Illidan, on te regarde. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? La chute du Xenedar n'aura pas été vaine. Préparez-vous. Goûtez à 10 000 ans de haine. Oh, vas-y, envoie du lourd. Tenez bon, le Goliath faiblit. Préparez-vous. Attention! La fureur. Quoi qu'elle puisse bien être, cette chose n'était sans doute qu'une pièce de l'arsenal de Sargeras. Bientôt, toute la Légion va s'abattre sur nous. Nous devons tenir notre position. Je ne peux que prier qu'il y ait des survivants dans l'armée de la Lumière. Vous rallierez-vous à notre cause? Une nouvelle attaque de la part de ces créatures nous serait fatale. Nous devons renforcer nos rangs. Les esclaves crocules ont fui en contrebas de la crête une fois libérés. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils pourraient se révéler de précieux alliés dans notre combat.
Vous présumez totalement de leur loyauté. Risquez votre vie si vous le voulez. Moi, je vais préparer nos soldats et essuyer l'inévitable contre-attaque. Je sens leur présence non loin d'ici. Tous mes semblables n'ont pas quitté Argus quand Archimonde et Kil'jaeden ont scellé leur pacte avec le Titan Noir. Nombreux furent ceux qui rejoignirent la Légion de leur plein gré, succombant aux chimères de Sargeras, qui leur promettait puissance et gloire. Ceux qui virent la vérité cherchèrent à fuir, mais se retrouvèrent piégés dans ce cauchemar. J'ignore comment ils ont pu survivre depuis. Nous y voilà. Ils sont tout prêts, j'en suis certain. Je le sens mal. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Soyez sur vos gardes. La Légion excelle dans l'art de duper les gens. Il se pourrait bien que nous tombions dans un piège. Non, sans blague, t'y crois ? Moi j'aurais plutôt. Moi tu vois, je serais plutôt resté aux côtés d'Illidian pour le coup là. On nous surveille. Cette masure me semble familière. C'est un autre joueur ? Préparez-vous ! Ouais. Nous sommes cernés ! Montrez-vous ! Velen, vous revenez enfin sur les terres que vous avez abandonnées. Cette fois, Atun, comment avez-vous survécu aussi longtemps dans cet enfer ? Nous avons changé, tout comme Argus. Nous avons résisté. Quel autre choix avions-nous ? Je ne souhaite pas vous combattre, Atun. Je ne laisserai pas votre amertume entraver notre guerre contre la Légion. Vous avez abandonné votre peuple, prophète. Votre monde. Une telle trahison devrait être punie par la mort. Oui, bah moi je vous le laisse, hein. Allez, ça a plus, hein. Non ? Ok. Se bat à vos côtés. Vous avez peut-être changé. Assez ! Arrêtez! Le prophète et la personne qui l'accompagne ne sont pas nos ennemis. Ah non, mais je suis pas là, moi. Je m'en vais, moi. C'est... Pour avoir ne serait-ce qu'une chance de vaincre la Légion, nous devons faire front ensemble. Grand exarque Turalyon, nous nous rencontrons enfin. Le peuple d'Atun m'a sauvé de la chute du Xenedar. Nombreux sont ceux qui n'ont pas eu ma chance. Ils défendent leur position près du site de l'impact, au péril de leur vie. Oui, enfin, ça va, il vient de s'écrouler il y a moins d'un quart d'heure. Lumière est prête. Ouf. Le tenu, d'accord. Nous battons pour notre foyer. Famille. Les sombres rouées n'abandonneront pas. Oh, nos d'accord. Nos ennemis souffriront autant que nous avons souffert. C'est une monture. D'accord, ok, j'ai juste qu'à friser par On contre. Voudrait. Nous avons beaucoup à nous dire. Ok. Turalyon, je suis heureux de voir que vous continuez à contrecarrer les efforts entrepris par la Légion pour vous tuer. Nous devons nous unir. Et Aleria contre la Légion. Est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était à bord du Xenedar. Elle était toujours sous.
sous surveillance. Valeria est quelque part là-dehors, mon vieil ami, j'en suis sûr. Et il y a sans doute d'autres survivants. Mais des milliers de démons se dressent entre nous et nos alliés. Nous devons réduire les rangs de la Légion pour avoir la moindre chance d'atteindre le Xenedar en vie. Alors c'est ce que nous allons faire, grand Exarque. Kronakai Christor. Oh, cinématique ça. Dionys. Non, ah non. Suivant le... Ok. Quand vous voudrez. Nous avons beaucoup à nous dire. Alors attendez. Parce que ce truc... Et donc je peux retourner quand je veux au Vindicar. Ok. Donc ici ce ne sont pas vraiment des fly, ce sont des espèces de téléporteurs. Je dis pas, mais les hauts commandants ressemblent énormément à des démons quand même. C'est juste qu'au mieux d'être vert, ils sont jaunes quoi. C'est un swap couleur quoi. Je mènerai mon peuple à travers les ténèbres. Ah merde, il a bougé l'autre. Nous n'abandonnerons jamais. Mais quelle bêtise, vraiment. Te séparer. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Le grand Exarque. Ben alors, qu'est-ce qu'il fout? Ah oui, oui, ok, oui, excusez-moi, je devais y parler, c'est ça. Il est en surbrillance, je l'ai pas vu. Ma foi est mon bouclier. Pendant des millénaires, l'armée de la Lumière a affronté la Légion Ardente, à grand renfort de bataille, d'escarmouches. La Lumière vous souhaite la bienvenue. Nous étions dévoués à notre cause. Nous allions mettre fin à la croisade de la Légion, ou mourir. En lançant notre assaut final sur Argus, nous savions que nous n'y survivrions peut-être pas. Excusez-moi. Semble perdu. Mais la Lumière ne nous a jamais abandonnés. Elle vous a conduit ici et nous a donné une nouvelle chance de victoire. Maintenant, c'est à nous de jouer. Franchement, se balader seul en plein milieu de la Légion, enfin de l'Argus quoi, c'est non, juste non. Nous faisons front ensemble. Allez dans la lumière. Ok. Cette crête vous mènera jusqu'aux fosses. Faites preuve de discrétion. Nous vous rejoindrons d'ici peu. Nous n'allons pas reculer maintenant. Donc, j'ai 3 boss à tuer et 10 personnages à sauver. Ok. Pas de soucis. Est-ce que, par hasard, le mec qui est juste là... Oblitérateur. Ok. J'ai pas vu sa vie, enfin j'ai pas eu le temps de cliquer, j'ai juste eu le temps de lire son nom. On va pas s'y frotter. Le truc peut me tout shot. Je pense qu'il peut me tout shot le machin. C'est gardé, hein.
C'est bien gardé, hein. Non, il n'y a pas une autre entrée. Ça semble une autre entrée, ça, mais... Ok, bon. Donc, il faut rentrer par la première entrée, sinon... Laissez-moi voler... J'ai payé 35 balles pour pouvoir voler. S'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Bah, je pensais qu'il y avait des ennemis ici. Ok, donc non. Donc il n'y a que la voie du milieu qui est extrêmement bien gardée. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Bon. Ah non. Il y a une voie là. Oh, ok, il y a lui. Ah! Toutes les 30 secondes. Putain, il a déjà été tué par un autre joueur. C'est pas grave. Il m'a repop sur la gueule. Apparemment, faut cliquer deux fois pour le libérer. Bon. Après, on va se concentrer sur le premier boss. Je réinvoque pas le mon allié. Je vais tout lui envoyer, hein, au boss. Je lui ai envoyé mon deuxième démon, j'ai envoyé notre allié, je lui ai envoyé tout. Allez, c'est parti. Allez, l'allié, le deuxième démon. Et on balance tout ce qu'on a.
Je garde juste un fragment d'âme au cas où je dois réinvoquer mon démon. Mais honnêtement, là, il prend cher. Ok. Faut que je pense à toutes les 30 secondes réinvoquer par contre l'allié. From the shadow we strike. Ouais, comme YouTube quoi. Pardon. Pardon. J'ai pas vu. C'est quoi ça? J'ai pas compris. J'ai un esclave qui est venu. Je sais pas s'il est venu m'aider ou s'il est venu. Mine de rien, il résiste, hein. Il prouve qu'il existe, hein. Ok, le prochain boss est là-bas, mais ça a l'air d'être au milieu de... Ouais, m'en douter. Ok. Comment l'atteindre? Il va falloir que je sacrifie une vie. Je me heal entre deux. C'est bon. J'ai mes bandages, hein. Bon, il est comme l'autre. Donc, même stratégie.
Sauf si le jeu en décide autrement, quoi. Donc, hop, ça, ça. Par contre, ok, d'accord, il tape vraiment pas fort, par contre. Clairement, mon démon peut survivre sans problème.